Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Larson. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui sévit actuellement au Cameroun. Je dirais plutôt un fléau qui a envahi toute la toile, tous les réseaux sociaux, tout récemment au Cameroun. Il s'agit du phénomène Muriel Blanche et du phénomène Marcel Kwitché. En tout cas, ça là, si je n'ai pas arraché mes dents pour vous donner, c'est que je n'ai rien fait. Je vais arrêter de parler comme les Blancs. Est-ce qu'ils ont déjà essayé de parler comme nous un jour? Comme je disais même, on va parler de l'histoire qui se passe entre Muriel Blanche et Marcel. On les connaît plus sous les pseudos Mandefo et Poupi, les Go Pagne, les gens qui ont connu la bonne époque. Les gens qui ont connu la bonne époque, quand tu te mettais devant une vidéo des Go Pagne, tu riais jusqu'à ce que tu pouvais chier sur toi. Tu riais jusqu'à après avoir chié, tu pisses pour déposer dessus, on croit que tu as le choléra. Je savais que tu allais prendre la salle ici. Ah, tu as pris la salle ici. C'est quoi la salle? C'est Nyanga jusqu'à. Tu as pris la comment pour moi demi, c'est ça. Eh bien, non, j'ai Nyanga avec. Tu as aussi pris le sac. Et puis ça, mis ça et toi? Même la chaussure, tu as pris. Non, mais la façon que tu tirais la chaussure là le jour, là. Il y avait même peur que tu allais couper la corde. Tu as pris ça finalement à combien? Les nez, là, pardon. Ne venez pas verser votre venin sur moi. Glissez sur moi comme le gombo glisse dans la bouche pour aller dans le ventre. Glissez sur moi comme la rosée glisse sur les feuilles de macabo. Parce que là, je ne veux pas de problème. Et vous savez que je n'aime pas les problèmes. Hein? Ah. En tout cas, les nez verts là-bas. Les nez verts là-bas. Les gens, quand ils sont nés, on tâtonnait seulement les dates là. Venez, on va faire le Congo ça. Venez, on va parler de cette histoire. Parce que c'est le Congo ça qui nourrit les gens de nos jours. Il y a des gens qui font le Congo ça jusqu'à ce qu'ils payent les maisons. Il y a des gens qui ont fait le Congo ça jusqu'à ce qu'ils ont construit les maisons. Venez, on va faire le Congo ça. Il y a une histoire qui se passe entre les Go Pagne. Tout a commencé après la cérémonie des Canards d'or. Je ne sais pas si le type là qui organise souvent Canards d'or avait organisé ça pour détruire les Go Pagne ou bien je ne sais pas. Parce qu'après cette cérémonie, les fans des Pagne se sont réveillés. Et ils se sont réveillés sur qui même? Sur Muriel Blanche. Ils ont insulté la fille là jusqu'à comment la fille là c'est une profiteuse. Comment la fille là c'est une hypocrite. Comment la fille là est arrogante. Comment la fille là se prend la tête jusqu'à demain matin. Tout en jetant les fleurs sur Marcel, sur Poupi. Dites-moi comment Mandefo ne va pas se fâcher. Dites-moi comment Mandefo ne va pas se vexer. Après ça, il y a une autre polémique qui est tombée. En tout cas, Kamé Kongosa avait pris ça comme son sujet de conversation de matin, midi et soir. Que les Go Pagne se sont séparés. Jusqu'à les filles ont commencé à se clasher doucement, doucement, comme ça sur les réseaux sociaux. Depuis que Poupi a voyagé, dès qu'elle a seulement eu le visa, pam là, elle a commencé à filmer le passeport. Depuis qu'elle a voyagé, dès qu'elle fait une photo maintenant, pam, elle met seulement Tunisie. Tunis. Les filles du village, Oui, je ne sais pas, maman. Est-ce qu'elle savait même qu'elle devait voyager? On m'a même dit qu'elle a accouché. Elle a accouché d'une fille, apparemment. Oui. apparemment, le père même, c'est un Anglais, c'est un Allemand. Oui, un Allemand, un truc comme ça. Parce que tu sais que les couples de femmes, là, souvent, elles ont trop les problèmes. Oui, fais comme je t'ai dit, là, seulement. Oui, Chloé, oui, c'est son nom. C'est un Allemand. Il te dit que son gars, c'est un Allemand. Tu ne comprends pas. Dernièrement, il y a même mon frère qui voulait sortir à elle ici. Elle a refusé parce qu'elle avait à calculer son blanc jusqu'à il a même l'enfant. Ah, pardon. Oui, comme il te dit. Non, ce n'est plus mon ami. Est-ce qu'on se parle même encore? Depuis qu'elle a voyagé, est-ce que tu as vu? J'étais même encore parlé d'elle. On ne se parle plus. On n'a plus rien à se dire, maman. Ouais, quoi qu'elle est en Bengo. Est-ce qu'elle sait même que la Tunisie, là, c'est toujours l'Afrique? Je dis, mamie, j'ai vu une vidéo là sur la page de Mandefo. C'est de moi qu'elle parle. De moi, Poupi International. Le monde est à l'envers. Donc la fille là s'assoit pour faire la vidéo sur moi. Une petite fille que j'ai ramassée au village pour Douala. Mandefo me manque de respect. Elle me connaît où? Elle me parle de blanc. Je peux présenter mon blanc à Mandefo.
J'avais seulement un ami albino, j'ai présenté, j'ai retrouvé la fille là dans la chambre avec lui. Et c'est le blanc qui avait présenté. Dis à ta copine que si elle me cherche, elle sait où me trouver. Nous, on croyait que c'était toujours la blague là qu'elles font souvent, on rit jusqu'à lendemain matin. En tout cas, on a ri. Comprenez-moi le français. Tellement je vais vous expliquer le truc que j'ai dit, on a ri. En tout cas, ça là, je ne vais pas couper du montage. En tout cas, on a ri de cette vidéo. On a ri jusqu'à lendemain matin. Après, la polémique a continué, ça a persisté. Les filles là, pour se justifier, elles ont fait un long direct. Un long direct pour parler, pour dire que non, elles sont toujours ensemble et elles sont plus fortes que jamais. Jusqu'à Poupi avait dit que, me voilà, je n'ai même pas l'argent de location. C'est chez Muriel, moi je suis actuellement. C'est Mandefo qui m'héberge actuellement. Et le jour là, elles ont mangé un bon pilet. Un pilet qui avait dormi et qui avait un vieux goût comme ça là. Elles ont mangé ça. Toutes souriantes. J'ai dit tout était nickel. J'avais même fait une vidéo dessus, même insulte j'avais reçu sur la vidéo là. Wallahi bilahi. Pardon, excusez-moi sur cette vidéo. Ne m'insultez pas beaucoup sur cette vidéo. C'est alors là que tout est revenu presque à la normale. Jusqu'à ce que Muriel Blanche sorte avec son affaire de envoûter by Muriel Blanche. Poupi a fait la publicité du salon là jusqu'à lendemain matin. Poupi a fait la publicité de envoûter comme si c'était sa propre boutique. Comme si c'était sa propre marque. On a aimé. On a aimé. Ah! Les gens toujours continuent à insulter Muriel. Insulter la pauvre fille là. Jusqu'à maintenant, Poupi a dit, « Ah, ma soeur, je ne vais pas vivre à tes crochets jusqu'à la fin des temps là-bas. » C'est alors là que Poupi dit que, « Ah, ma soeur, nous voilà, on vient d'accoucher. Tout est en stand-by, mais toi, tu es en train de tourner. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. » En tout cas, envoûté par Muriel Blanche a pris. Le public a aimé. « Ah, moi aussi, je dois faire quelque chose. Sinon, ça ne va pas aller. Je ne vais pas continuer à venir squatter chez toi tout le temps. Je vais faire quelque chose. » Poupi a commencé avec des voyages, des petits voyages. Elle part à Dubaï, elle revient. Elle part en Tunisie, elle revient. Dubaï, je ne sais même pas dans quel coup Dubaï est venu dans ma bouche. Mais je n'ai pas vu Poupi à Dubaï. Je n'ai pas vu Poupi à Dubaï. Oh. Elle est partie en Tunisie. Après la Tunisie, elle a encore voyagé. Après, elle est partie maintenant en Chine. C'est là que l'anga a décidé de sortir son thé amincisseur. On dit amincissant ou bien amincissant. En tout cas, elle a décidé de sortir un thé pour faire maigrir. Et le thé, quand tu douches même, voilà, son prix peut te faire fuir. 10 000 francs un sachet de thé. Ça, la thé, là, je n'ai qu'à boire, je deviens une fois mannequin. Victoria Secret n'a qu'à m'appeler. Si Victoria Secret ne m'a pas appelé, Chanel m'appelle. Parce que thé, ça, là. Non, 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 non. Les deux filles ont emboîté le même pas. Muriel sort envoûtée by Muriel Blanche. Ces prix-là, c'est là-bas en haut. Ces prix, c'est là-bas en haut. Poupi va s'en va faire le thé. Ces prix sont là-bas en haut. J'ai parlé, je n'ai rien dit. C'est alors là que tout a commencé à basculer en fait entre les deux. Les gens commençaient à dire que oh, Muriel est jalouse de Poupi. Muriel est jalouse de l'élevage de Marcel Quiche. Et oh, machin, truc, nanani, et nanana. Je ne sais pas dans quel coup les filles-là se sont vraiment mis dans les problèmes. Je ne sais pas dans quel coup les filles ont commencé à s'insulter. Mais, c'est arrivé. La goutte d'eau qui a dépassé le vase. La goutte d'eau qui a dépassé le vase. C'est le jour de l'anniversaire de Poupi. Wallahi, je n'ai pas vu Muriel Blanche là-bas. Je n'ai pas vu Muriel Blanche à l'anniversaire de Poupi. Le monde des femmes, on ne va jamais vous comprendre. On ne va jamais vous comprendre. En tout cas, je m'attendais à ce que Muriel fasse un post pour dire « Ouais, ma soeur, toi-même, tu as vu, j'étais dans d'autres busy. Je ne pouvais pas venir à ton anniversaire. Vraiment, excuse-moi. Tu sais, on est à chaque fois. Aujourd'hui, on ne s'est pas pris. Demain, on va se prendre. On va fêter l'anniversaire là, comme il se doit. » Tandis que les gens attendaient le post d'excuse de Muriel Blanche à l'égard de Poupi parce qu'elle avait manqué l'anniversaire de Poupi. Elle est plutôt partie faire un post visé sur Instagram et sur Facebook en disant « Ce n'est pas la vie qui sépare les gens. C'est la méchanceté, l'hypocrisie, la trahison, l'égoïsme et le manque de respect. » En tout cas, si ce message n'est pas pour Poupi, je n'ai qu'à devenir piment sec. Je n'ai qu'à devenir coq même, comme les Ivoiriens disaient souvent. Ah oui. Comme si ça ne suffisait pas, elle a encore fait un post, un statut tout du moins sur Instagram. Méfiez-vous de tout ce qui est court et petit. Yesh. Ça là.
Dites-moi vous-même, c'est à qui? Ce message, c'est pour qui? Entre Muriel Blanche et Poupi qui écoute, regardez vous-même leurs deux tailles là. Des deux, qui est la plus courte? En tout cas, le message est passé. Elle a encore fait un autre post en disant « Pendant 5 ans, j'ai été sous l'emprise d'une diablesse. » Ça là, je vais vous laisser lire. Pardon, lisez aussi si ce n'est pas Muriel. Pardon, dites-moi aussi. Après seulement, elle fait encore un autre post. Jean, ça te tue, ça vient s'asseoir. Comme les vrais sorcières de nos villages là. Je dis, vous voyez les grandes mères qui tuent souvent et elles sont les premières à arriver, pleurer jusqu'à lendemain matin. En tout cas, c'est comme ça qu'on est en train de décrire Poupi. Ce n'est pas mes mots, ne me lynchez pas, ce n'est pas de ma faute. Et sous un commentaire à Instagram, on voit clairement où Muriel répond en disant « Lol, j'évite les hypocrites, oh, pardon maman. » Au commentaire de Chantal qui dit « Eh qui est la fille ici? Tu as un bébé avec Poupi. Pourquoi on ne vous voit plus ensemble ?» En tout cas, comme j'ai dit là, laissez-moi un peu parler de cette histoire. Laissez-moi pimenter cela à ma manière. En tout cas, oh, j'ai raconté l'histoire à ma manière. J'ai raconté cette histoire à ma façon. Si j'ai menti dans certains trucs, pardon, dites-moi en commentaire. Et pour ceux dont la langue est tellement pendue qu'ils ne peuvent s'arrêter d'insulter les gens, l'espace commentaire vous appartient. Insultez, continuez à m'insulter comme vous le faites toujours. Continuez à vous défouler sur moi. Défoulez-vous sur moi comme vous le voulez. Comme un adage dit, tout ce qui ne tue pas rend fort. Vos insultes me rendent fort. Ça me rend fort plus que jamais. Alors, continuez ainsi. Continuez à vider vos sacs. Parce que ce soit une vidéo comique, vous allez venir m'insulter. Que ce soit une vidéo où je fais un peu de sérieux, vous allez m'insulter. Vous voyez dans tout ce que je fais, des signes d'homosexualité. Vous voyez dans tout ce que je fais, des signes de BDA. Post que j'ai fait dernièrement, il y a quelqu'un qui s'est levé pour venir dire « Je ne sais pas ce que tes parents ont fait à Dieu pour que tu sois PD. » Ça là, quand je ne parle pas de sujet de PD, vous ne regardez pas mes vidéos. J'ai lancé une série web, vous-même regardez les vues. Vous-même regardez le nombre de vues, regardez le nombre de likes. Regardez comment ça avance. Ça avance, on dirait Tortue Ninja. Ça avance, on dirait Tortue. Ça ne bouge pas. Ça avance, on dirait Beignet qui a bu lui jusqu'à stagner sur place. Après ça, là, quand je vais parler de mes sujets, vous allez encore venir m'insulter. Hein? Quand vous faites des trucs comme ça qui ne m'encouragent même pas. Quand je décide même d'être sérieux, de faire un truc bien, il n'y a personne pour regarder. Il n'y a personne pour liker. Il n'y a personne pour partager. Vous attendez seulement que Ibrahim fasse une vidéo qui parle de PDA. Vous attendez seulement que Ibrahim fasse une vidéo qui parle des Wubi. Vous attendez seulement que Ibrahim fasse une vidéo qui parle de je ne sais quoi. Vous venez l'insulter. Pardon, ne tombez pas sur moi cette fois-ci là. Ne tombez pas sur moi cette fois-ci. Tout le monde parle de ce sujet. Je n'ai pas parlé de la bagarre de Ruby comédienne. Laissez-moi parler de ça. Je n'ai pas parlé de la bagarre de Vanessa Cachiro et Magali. Pardon, laissez-moi parler de ça. Bam! Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si cela vous a plu, si ma voix aussi vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter la vidéo et surtout à partager pour faire grandir notre communauté. Vous les 14 000 personnes qui me suivez actuellement, sachez que je vous aime de ouf. Et tous ceux qui aimeraient que je les vienne en aide pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Bisous à vous.